tous et merci d'être aussi nombreux ici pour parler, rencontrer Pierre Haïm, donc, qui est chef opérateur, qui a à son tableau de chasse une soixantaine de films et pas des moindres, une vingtaine de courts-métrages et une vingtaine de films télé, peut-être même un peu plus d'ailleurs, non? Beaucoup plus de courts-métrages, on entendra, j'ai commencé comme ça. D'accord. Non, télé, non, je n'ai pas fait beaucoup, j'ai dû faire peut-être un, deux, trois, quatre unitaires, et Ouais, je prépare une c'est. série, j'ai fait un peu le bureau des légendes, enfin pas tant que ça quand même. D'accord. Essentiellement, moi, ma carrière, c'est quand même du cinéma, ce qui est pas mal. Comment est-ce qu'est née la vocation de devenir chef opérateur? Ça se passe comment? Qu'est-ce qui t'a décidé à. Je pense que ça revient. J'étais très. J'ai deux gamins. Quand j'étais gamin, je regardais un peu la télévision. Au départ, c'est pas le cinoche, c'est la magie qui me plaît. J'adorais la prestidigitation, les grandes illusions. Je sais pas si je peux parler bien. Les grandes illusions. Donc j'aimais à la fois être, comment dire, impressionné par les tours de magie, mais aussi juste après, je voulais vraiment savoir comment ça fonctionnait. Voilà. Mais je pense que donc, et en fait, en vieillissant. Donc la magie ou l'illusion s'est un petit peu atténuée et ça s'est transformé sur le cinéma. Moi, je suis né à Paris et dans ma, et dans ma, dans mon quartier, il y avait souvent des tournages. Il y a à la fois, il y avait des tournages, il y avait beaucoup de cinéma à l'époque. Donc j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. C'est une façon pour moi un peu de, comment dire, de m'évader du quotidien. Et comme il y avait pas mal de tournages, je me souviens, je restais très souvent, peut-être 2-3 heures dans la rue pour voir comment les choses se fabriquaient. Mais je pense qu'à l'origine, cette question-là, c'est vraiment de la magie. Et de temps en temps, en fait, même sur le plateau, je le sens bien, c'est que j'aime bien dans ce métier, il y a quand même vraiment de la magie au sens propre du terme. C'est comment, avec du montage, de la lumière, des comédiens, de la musique, c'est comment arriver à faire croire des choses. Le cinéma, c'est faire croire des choses, voilà. Et je pense que voilà, donc profondément, c'est l'illusion, en fait, c'est la grande illusion. Ça, c'est D'accord. une question, enfin une réponse un peu qui me vient comme ça. D'accord. Et le passage par l'école, parce que vous avez été à l'école Lumière, qui est plutôt centrée sur la photo, c'était, je pense, un moment important de votre. Ben, pour moi, c'était fondamental parce que moi, je devais normalement faire une carrière comme prendre la suite de mon père qui vendait des fringues, ce que j'avais strictement aucune envie. Et il s'est trouvé que mon père a parlé de cette école que je connaissais, qui était Louis Lumière. J'ai fait donc Louis Lumière à Paris. Et à l'école, j'étais. Enfin, ça, c'est pour. Enfin, vous êtes déjà ici, tout ça va, mais j'étais très moyen au sens propre du terme. C'est-à-dire que sur une trentaine, je devais être à peu près au milieu. Donc, je me souviens, quand je suis arrivé au concours de Louis Lumière, il y avait énormément de gens. Donc, je me suis dit que j'allais passer le concours pour être certain de. Enfin, pour me dire, voilà, au moins j'aurais essayé. J'étais certain de ne pas l'avoir, mais je voulais l'essayer. Donc j'ai essayé, je pense que ça a dû être fondamental pour moi parce que j'avais tellement pas envie de faire le même métier que mon père que finalement j'ai eu ce concours, c'est absolument incroyable. Et donc moi j'ai fait Louis Lumière et ça a vraiment été, il y a vraiment un avant, un après. C'est-à-dire que l'intérêt de cette école-là, à part, enfin mis à part, on en parlera peut-être un peu après, d'apprendre des choses techniques, c'était de me dire mince, c'est extraordinaire, finalement on peut arriver à ressentir des choses, à travailler là-dessus, à peut-être même un jour être payé avec quelque chose d'artistique. Et voilà. Et donc, il y a vraiment, mais c'est absolument étonnant. Hein, ça, je crois que mon changement, cette espèce d'ouverture, elle s'est passée en un mois et demi, quoi. J'ai vraiment, je dis souvent que j'ai une deuxième naissance qui a été Louis Lumière, mais ça, c'est très personnel, c'est lié un peu à mon parcours avec ma famille, quoi. Mais donc, c'était très, 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 très important. Et en plus, j'ai rencontré des gens. Voilà, qui avaient tous une même passion, qui était très différent de ce qu'il y avait avant le bac, etc. Donc ça a été très, très, très important pour moi. C'est vraiment C'était une aussi. frontière. Dis-moi. Ok, merci. Ok. C'était important justement de se retrouver avec des gens de votre âge et de découvrir des passions qui étaient ensemble, parce que finalement, au niveau familial, c'était peut-être pas Oui, non, si simple. ça se passait bien chez Si moi, simple mais que ça, c'était ou pas non, ça n'a du rien à tout, voir. effectivement, il ne travaillait pas du tout dans un, Voilà. comment dire, dans un milieu artistique, pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est ça, quand je disais que Louis Lumière a été très, très important pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que ça a été, comment dire, de rencontrer effectivement des gens. Il y avait quoi, je crois que dans ma classe, on était 22 ou 23, donc des gens qui avaient la même passion, quoi. C'est vrai, j'en ai même encore des frissons, parce que ça a été vraiment un avant, un après, je vous l'ai dit, c'est fondamental. Et après, enfin, ce qui est aussi d'important, même pour vous ici, ce qui est très très bien, c'est que quand on est dans une école et quand on est dans une classe, c'est-à-dire qu'à la fois, comme on a des gens qui ont la même passion et qui ont le même âge, c'est-à-dire que tous, c'est ça l'intérêt d'être ensemble maintenant, c'est qu'il y en a parmi vous qui allez rester ensemble et qui allez grandir ensemble, certains qui seront à la fois en déco, d'autres en production.
j'ai eu la chance de monter avec des jeunes et voilà, bon, maintenant j'ai mon âge, je travaille d'ailleurs avec des gens de mon âge maintenant, mais ce qui est fondamental, je crois que le terreau de certaines personnes d'entre vous se font maintenant, c'est avec des amis que vous faites maintenant, avec des connaissances, avec des mêmes passions, c'est ça qui va, c'est une grande force d'une école, je pense. Comment s'est passé justement le fait de, après, on a un diplôme, on sort de l'école, et ça y est, on est professionnel, et on va vraiment travailler pour gagner de l'argent. Ça oui. S'est passé comment pour vous? Alors, moi, je vais vous dire souvent ce que je dis à pas mal de jeunes qui m'appellent de temps en temps pour essayer de leur donner un peu de conseils. Moi, j'ai un parcours un petit peu, enfin, pas particulier. Je pense que tous les gens de ma génération, enfin, ceux qui ont eu la chance de travailler comme opérateur comme moi, que ce soit Darius Kondji, que ce soit Benoît Delhomme, que ce soit même Arbogast, nous sommes une des premières générations, grâce au fait que, mine de rien, les caméras commencent à s'alléger, la pellicule devenait de plus en plus sensible, on avait besoin d'un peu moins de matériel. Donc en gros, ce sont des gens comme moi qui ont finalement décidé à très très peu d'être assistants. Donc en fait, moi j'ai eu la chance, à la sortie de Lumière, j'ai fait un film comme second assistant, qui m'avait été proposé par quelqu'un d'une ancienne de l'école, moi. Expérience moyenne, c'est-à-dire que à la fois l'équipe sympathique, mais bon, ce que je disais, un peu de bizutage, on m'a fait 9 fois la flotte pendant 2 mois, j'ai tourné à Saint-Tropez. Donc, comment dire, l'ambiance était bonne, mais ça ne m'a pas donné forcément envie de continuer d'être second. Ensuite, j'ai fait peut-être 2 ou 3 longs métrages comme premier, mais avec des gens qui n'avaient objectivement pas de talent, sur des projets qui étaient excessivement mal financés, donc des films très très étranges. Et finalement, je me suis dit, voilà, en fait, tu as 2 choses. Soit tu prends ton téléphone pour essayer de trouver des opérateurs, pour être assistant avec eux, voilà. Ou je me suis dit, voilà, OK, il y a l'autre solution, et c'est ce que je dis vraiment aux jeunes que je rencontre maintenant. L'autre solution, c'est quoi? C'est OK, ben, au lieu de prendre ton téléphone, d'appeler des opérateurs pour essayer d'être assistant, ensuite premier caméraman, etc., moi, j'ai appelé des metteurs en scène pour faire des courts-métrages. Donc moi, en gros, pour répondre à ta question, c'est quoi mon parcours? C'est à la sortie de l'école. Moi, je gagnais ma vie quand même pour me faire des heures. Je travaillais à la télévision, je faisais je cadrais, je faisais un peu de documentaire, industriel. À l'époque, on appelait ça des films indus, en fait. Donc, j'ai appris un peu comme ça. Et dès que j'avais une opportunité, je faisais des courts-métrages. Parce que moi, mathématiquement, parce qu'à la fois, je suis un peu artiste, mais aussi, j'aime beaucoup le côté très les pieds sur terre, je me suis dit, plus je multiplie, en fait, mon nombre de courts-métrages ou de metteurs en scène que je vais rencontrer, plus un jour, je multiplie ma chance de rencontrer un jour un gars qui va faire un long métrage. Et j'ai une chance inouïe, j'ai rencontré, j'ai fait beaucoup de courts métrages, c'est vrai, j'ai vraiment appris mon métier comme ça, parce que je n'ai pas vraiment appris à l'école, je vais vous expliquer pourquoi après, mais j'ai appris énormément à éclairer, j'ai appris à éclairer en faisant des courts métrages, et un jour j'ai une chance inouïe, ça s'est joué à 5 minutes ma carrière, j'ai croisé Kassovitz, vraiment, avec qui, il préparait un troisième court-métrage qui s'appelait Assassin, qui allait donner Assassin le long-métrage. Et donc, ça s'est très, très, très bien passé, la collaboration avec Assassin. D'ailleurs, tous les gens qui avaient fait ce court-métrage Assassin, on est restés ensemble, toute l'équipe ensemble. On a fait donc son premier long-métrage. Il y a eu un extrait qui était Métis. Voilà. Ensuite, après, on a fait un film qui s'appelait La Haine. Et après, j'ai fait Assassin long-métrage. Bon, après, on s'est séparés pour X raisons. Voilà. Mais donc, d'ailleurs, tout le groupe, on a une chance inouïe. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je vous parlais d'Arbogast ou de Kondji, ce qu'on a tous en commun, c'est qu'on a tous eu un film qui, au départ, nous a, comment dire, on a eu la chance de croiser quelqu'un au bon moment et de faire un film qui était vachement bien, quoi. Darius, c'était Délicatessen, moi c'était La Haine, et Arbo, ça devait être film avec Besson. Voilà. Donc on a ça en commun. Donc voilà, si vous voulez, c'est aussi une des questions, et posez-vous cette question, c'est important, c'est que, essayez de vous imaginer, comment vous voyez dans 15 ans? Est-ce que vous voulez être assistant? Souvent, il y a des gens qui viennent vers moi en disant, voilà, je voudrais être assistant, etc. Mais je leur dis, bon, mais dans 15 ans, tu te vois quoi? Et là, souvent, la réponse est, bah, moi, je voudrais être opérateur. Et donc, c'est ce que je leur dis, essaie de peut-être pas perdre de temps, entre guillemets, à rencontrer une équipe. Commence, fais des images, montrez des images, faites des images, montrez-le. Et je pense une chose, je parlais de technique tout à l'heure. Je crois que le grand avantage que vous avez maintenant par rapport à nous, il y en a certains quand même, évidemment, c'est que le matériel et les caméras sont vachement plus simples
à utiliser que nous. C'est-à-dire qu'à moi, à mon époque, pendant les courts-métrages, c'était forcément de la pellicule, forcément. Donc c'était des courts-métrages qui étaient beaucoup plus chers, qui coûtaient plus cher. Ça voulait dire des équipes un peu plus importantes. Comment dire, c'était beaucoup plus lourd. Je trouve que maintenant, quand je parle que les caméras sont plus simples, c'est vrai que même avec un bon appareil photo, si vous avez un peu de goût, c'est certain qu'avec peu de lumière, qui pas besoin de groupe, etc., avec des LED, etc., vous avez quasiment la même compétence que moi, artistiquement parlant. Après, vous avez moins l'habitude, c'est clair. Mais ce qu'il y a de vachement bien maintenant, c'est que très rapidement, je crois qu'il y a les nouvelles caméras arrivent à sortir des choses vraiment beaucoup plus, vraiment, vraiment bien, quoi. C'est-à-dire que je pense que maintenant, moi, quand je revois un petit peu ce que j'ai fait avant que je me dise, OK, Pierre, tu sais éclairer, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que maintenant, à la limite, si je commençais maintenant, si j'avais le même parcours, avec le même talent, entre guillemets, je pense que j'aurais fait des images acceptables beaucoup plus tôt, parce que les instruments sont quand même beaucoup plus simples. Par contre, ce qui reste, vous êtes beaucoup déjà, après, le goût, le bon goût, la façon dont on se comporte sur un plateau, là, c'est des choses qui sont les mêmes, si vous voulez. Hein. C'est pas parce que l'instrument est plus facile que c'est plus facile de faire ce métier. Mais je pense que l'intérêt, c'est que je pense que vous-même, très jeune, je suis certain ici, il y a un pourcentage de jeunes qui pourraient montrer des trucs absolument merveilleux parce que techniquement, c'est un peu plus simple. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de la chance, qui me semble un facteur important dans ce métier, et en disant que finalement, vous avez eu la chance de rencontrer Mathieu Kassovitz, yes, et que ça s'est passé vraiment... par hasard ou presque? Oui, moi je sors. Au hasard. Oui, c'est vraiment du hasard. Moi j'avais déjà fait bien une trentaine de courts-métrages et j'avais des potes qui étaient donc de ma promo juste avant, non, juste après, ils étaient plus jeunes que moi. Eux, ces trois potes avaient eu une envie et ils l'ont fait d'ouvrir un laboratoire pellicule. Et c'était des petits génies, ils cherchaient des choses. Et je suis peut-être 2-3 ans avant la haine, ils avaient inventé un système, c'est de tourner en couleur et tirer sur du noir et blanc. Enfin, pour faire des films en noir et blanc, parce que le noir et blanc, le problème, c'est que la pellicule, toujours maintenant, elle est assez granuleuse. Hein, mais, et en fait, ils avaient essayé de trouver un système de comment faire du noir et blanc, mais en réduisant le grain. Et le système le mieux était de tourner sur de la pellicule couleur, qui elle-même, à l'époque, était beaucoup plus fine que de la pellicule noir et blanc. Et ils avaient trouvé tout un processus pour le tirer sur noir et blanc. Et moi, j'avais fait un ou deux courts-métrages, et je me souviens très bien, c'est pour ça que je vous parlais de chance inouïe. Je me souviens donc, j'étais voir au laboratoire à Paris une copie zéro, une copie d'un court-métrage qui se passait en banlieue, qui était pas mal du tout. Donc j'attends, j'ai de la chance, j'arrive toujours un petit peu en avance, j'attends, et qui sort du laboratoire, de la projection, Mathieu Kassovitz, que j'avais croisé une fois, je lui ai serré la main, avec son caméraman, lui sortait d'une copie zéro de son deuxième court-métrage qu'il avait fait avec un... Et en fait, je me souviens très bien, donc je lui serre la main, il n'y avait pas de coronavirus à l'époque, je lui serre la main, et je lui dis, eh ben, tiens, tu ne veux pas voir un court-métrage qui est pas mal, il avait 10 minutes à perdre, il est rentré dans la salle, et c'est vrai, je n'étais pas complètement idiot, c'est vrai que le court-métrage était pas mal, il a eu pas mal de prix, il était assez bien. Et je crois, alors je ne peux pas dire exactement, mais genre 3-4 mois après... Pour son troisième court-métrage, donc je répète, qui était Assassin, le court-métrage, il avait envie d'une lumière qui était un peu plus chiadée que ce qu'avait fait avec son opérateur, qui à l'origine n'était pas vraiment un opérateur, c'était plutôt un caméraman. Et donc, voilà, il m'a appelé, quoi. Et c'est clair que... Alors, en plus, ce qu'il y a de très bien, c'est que la haine, que je vous dise, vous ne le savez peut-être pas, la haine qui est... la haine qu'on a tournée en 95, en fait, personne n'était connu à l'époque. Canal Plus avait accepté, parce que le scénario était vachement bien, de donner de l'argent à une seule condition, c'est que sur la chaîne, il devait passer, sur Canal, à l'origine, il devait passer en couleur. Donc ça tombait hyper bien, parce que j'avais en fait déjà fait un film avec ce support-là, où j'avais tourné en pellicule couleur, mais tiré en noir et blanc. Alors finalement, bon, le film a tellement eu du succès, et il est ce qu'il est. Finalement, Canal l'a jamais passé en couleur, mais ça a vachement aidé finalement. Comment dire pour ça? Parce que j'avais déjà tourné en fait sur pellicule couleur en destination du noir et blanc. Voilà. Canal était OK pour le passer en noir et blanc en salle.
Sans problème. Ah non, c'est-à-dire qu'en en fait, quand il y a des coproductions, Canal avait dit « Ok, on achète le film, on donne une partie du financement, mais sur la chaîne, il passera en couleur. » Voilà. Par contre, non, ils n'avaient rien à dire sur le... Donc, si tu veux, moi, quand je tournais... alors, c'est très marrant, d'ailleurs, pour ceux qui font ce qu'ils veulent faire, section image. Je me rappelle les deux premiers jours, quand j'ai commencé à tourner La Haine, je me dis « Bon, il faut que ce soit à la fois bien en couleur et en noir et blanc. » Et en fait, je me rends compte que c'est excessivement difficile, alors... J'ai vraiment fait gaffe aux couleurs, effectivement, des murs, des costumes, etc. Mais en ce qui concerne les contre-jours et les contrastes globales, on peut pas faire vraiment les deux bien, c'est soit. Donc au bout de deux jours, je me dis, ok, je m'en fous de Canal+. Je faisais attention aux couleurs quand même. Mais sur les contrastes, en gros, ce que j'ai remarqué une chose, c'est que la différence entre le noir et blanc et la couleur. C'est qu'il fallait, en noir et blanc, pour pouvoir donner un peu plus de volume, en gros, il faut un poil plus de contre-jour. Les directions sont les mêmes, mais les forces des contre-jours sont un tout petit peu plus forts pour qu'en noir et blanc, ils puissent se détacher un peu plus des fonds. Voilà, c'est la seule chose. Bon, le film, j'ai vu quelques séquences en couleur, c'est pas horrible, mais c'est clair que quand même, c'est beaucoup plus subtil en noir et blanc. Vous aviez des films de référence un peu au départ pour la haine, ou vous avez inventé le... Non. Objectivement, non, absolument pas. C'est que, d'ailleurs, c'est un point commun des metteurs en scène avec qui j'ai beaucoup d'estime. En ce moment, par exemple, j'ai fait beaucoup de films avec Ben Chetri ou même donc Mathieu. C'est, quand on fait face à des metteurs en scène comme ça, c'est clair qu'en fait, ils viennent quand même avec une grande idée, avec une idée assez précise de ce qu'ils veulent. Et Mathieu, c'est très simple. Quand il est venu pour me présenter, donc je vous rappelle, c'est son deuxième film que j'ai fait avec. Le premier, c'était Métis. Donc La Haine, quand il est venu avec son scénario, il m'a dit, voilà, il n'y avait même pas de discussion. Il m'a dit, il faut que ce soit en noir et blanc. Je veux que ce soit en noir et blanc. Alors, son argument était, il avait raison, c'est que le film marque plus, soit un côté entre guillemets un peu reportage, mais quand même bien... éclairé comme Lucinoche, mais pardon. Mais c'est vrai que sa référence était d'essayer de donner un coup de poing au spectateur, et c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait plus tellement de tourner en noir et blanc. Je crois qu'il y avait un côté réaliste du noir et blanc qui voulait. Donc pour répondre à ta question, il n'y avait pas de référence, j'en suis certain, il ne m'a même pas de sortie de photo ou de documentaire. Là, ça a été, c'est du noir et blanc. Et donc on avait quand même, j'avais cette expérience, comme je vous avais dit, sur ce court-métrage. Donc il avait déjà vu des choses, si vous voulez. Mais non, c'était du noir et blanc. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de films sur la banlieue un peu moderne en noir et blanc, ça n'existait pas vraiment. Il n'y avait rien. Voilà. Donc, c'était difficile à tourner, Non, pas du tout, c'était un bonheur. Un bonheur ? Un bonheur parce que, pourquoi ? Parce que ça, c'est pour ceux qui font de la régie, fondamental. Si un jour j'ai un César, parce qu'il y a une erreur dans les trucs. J'ai été nommé 3 fois, je n'ai jamais eu de César, soyons clairs. Mais si j'ai un César, je dédie à la régie. Ce que je veux dire pour la régie par rapport à ce film-là, c'est vrai que Mathieu, mon pote assistant, Vincent Cassel, les comédiens, ils sont restés dans la cité, je crois, un mois et demi avant le tournage, à habiter là-bas. C'est-à-dire que pourquoi ça s'est très bien passé ? Parce qu'il y a eu vraiment, vraiment un travail en amont. Voilà. C'est vrai que ça peut être... Moi, j'ai eu l'occasion ensuite, dans d'autres films, à tourner pour des périodes un peu plus courtes dans des cités. C'est pas facile. C'est vrai que... Voilà. Mais là, le secret, de toute façon, c'est toujours de parler avec les gens, d'être là-bas. Voilà. Mais ça s'est très, très bien passé. Donc, vraiment. Ça veut dire que la préparation est aussi importante que le reste, en fait. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Mais surtout sur ce film-là, quoi, dans les lieux... C'est absolument fondamental. J'ai eu des fois des expériences un peu moyennes parce que, effectivement, pas assez de prépa dans des lieux un peu sensibles comme ça, quoi. Donc voilà, c'est vrai, c'est hyper important. Et donc, j'imagine qu'il y a eu, vu le succès de La Haine et son aura, un avant et un après pour vous. Le téléphone a dû se mettre à sonner, non ? Ça se passe comment ? Alors, c'est bizarre. Il a sonné, mais il a sonné en Angleterre. Pas, alors, c'est très étrange. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, bon, c'est en 95. J'avais fait un seul long métrage avant qui était Métis, qui avait moyennement marché. Donc, j'étais strictement et tout bonnement inconnu. Donc, soyons honnêtes, ce film a été vraiment jugé effectivement bien au niveau lumière. Mais en France, je crois que je devais être associé, je crois, à l'image de Mathieu. Alors, vous n'étiez évidemment pas né, mais si vous regardiez les émissions où Mathieu était à l'époque, c'est vrai que c'est un mec qui se baladait avec une casquette, avec une belle petite... de la bœuf, enfin avec des... Ouais. Comment dire, une image de... C'est assez rebelle, ouais. Voilà, un peu comme ça. Donc je pense
que, comme j'étais strictement inconnu, comme j'étais mon premier film, je pense que les productions françaises, bon, évidemment, c'est normal, comme j'étais inconnu, m'ont vachement associé à Mathieu, et je pense qu'ils ont un tout petit peu flippé. Et ce qui se passe, par contre, c'est que j'ai reçu quand même des coups de fil pas mal en Angleterre. Donc, j'ai fait 2 ou 3 films en Angleterre, et après, je suis revenu un petit peu en France. Le téléphone en France a sonné, mais un peu après. Mmh. Un peu après. C'était... parce que je pense que c'était... que Mathieu était très important dans les médias pendant un moment donné. Voilà, j'étais associé à lui. Et je voulais, il y a aussi Assassin qui est intéressant parce que la lumière n'est pas traitée du tout de la même façon. Enfin, là, c'est un film en couleur. Ouais. Et puis, ça trimballe aussi quand même. Ouais. C'est un sacré film noir. Yes. Je sais pas, ceux qui, voyez-le, parce que même en mise en scène, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment presque supérieures à La Haine. À La Haine, vraiment. La musique est magnifique. Enfin, j'aime vraiment, vraiment ce film. C'est un film un peu dur, un peu sombre au sens figuré du terme, mais c'est un film en mise en scène qui est vraiment très 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 intéressante. Et même c'est un film quand même, si vous le voyez, qui parle de la télévision qui n'existait pas vraiment encore maintenant, et il avait vraiment eu une sorte de vision sur ce que pourrait venir la télévision maintenant, et la force de la télévision et les risques. Voilà, c'est un film intéressant pour ça. Les scènes avec Céro dans sa piole, dans son appartement, c'est du studio ? Oui, tout, oui. Autant La Haine s'est tournée totalement et complètement en vrai décor. Effectivement, Assassin, parce qu'il y a eu pas mal, après La Haine, il y a eu pas mal d'argent, donc on a construit l'appartement effectivement en studio. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'il y a des gens. Vous pouvez quand même pour savoir, qui a vu Assassin ? Voilà, une personne. Moi, c'est normal. Voilà. Oui, non, c'est normal. Il y aura 19. Vous travaillez comment avec le chef déco, justement, quand vous recréez comme ça un environnement? Vous avez travaillé avec lui en amont? C'est fondamental. Surtout quand on construit en studio. Enfin, ça, c'est important, effectivement. Ça, c'est un conseil. C'est-à-dire que les futurs opérateurs ou les futurs déco ici, il faut vraiment vous mettre en relation. C'est fondamental. C'est-à-dire que c'est clair qu'une bonne lumière se fait avec un beau décor. Ça, vous avez vos boîtes, vous prenez le meilleur opérateur du monde. Si vous avez un décor pourri, c'est la seule chose qui pourra peut-être éclairer bien, c'est des visages, s'il a l'habitude. Mais la déco, c'est fondamental. Et ça, c'est un travail vraiment en amont. Alors, il y a une profession qui n'existe pas en France, qui existe en Angleterre, aux États-Unis, qui s'appelle le directeur artistique. Je trouve qu'on manque vachement de directeurs artistiques en France. En Angleterre, le directeur artistique, c'est quelqu'un qui est souvent engagé vraiment en amont, même du chef déco ou évidemment du chef opérateur. Et c'est quelqu'un qui, avec le metteur en scène, établit le mood board de l'ensemble du film. Moi, j'avais fait ça en Angleterre, donc après La Haine, j'ai bossé un peu là-bas. Et c'était extraordinaire, parce que j'arrivais dans les locaux de production et j'avais déjà quelqu'un dans ses bureaux qui avait sur les murs étalés à la fois des références de costumes, de couleurs, de textures, d'ambiance. Et ça, c'est... Alors, ce qui se passe en France, c'est souvent le rôle qu'on a, nous, directeurs photo, mélangé avec le chef déco. Mais ce qui se passe, moi, c'est que j'ai un peu de chance, je travaille pas mal, donc je suis pas en amont, vraiment, je suis pas là tout le temps. Enfin, je ne suis pas là 3 mois avant sur un film, je suis souvent sur d'autres films. Donc, des fois, je serais vraiment content en France qu'il y ait quelqu'un qui prenne un petit peu en amont, pas la direction de la photo, mais... la direction globale avec un metteur en scène, quel est le visuel d'un film? Oh, le design. Le design, ouais. Comme Nicolas Silbert, etc. Yes. Aux US. Ouais, exactement. Parce que ce qu'il faut savoir une chose quand même, c'est que sur tous les films, alors évidemment, on retient que les films un peu emblématiques. Si vous regardez tout ce que j'ai fait, il n'y a pas que des films emblématiques. Je veux dire par là que j'ai tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des gens qui avaient fait excessivement peu de choses, qui avaient du mal à parler même, à trouver des termes de lumière, des termes techniques. C'est vrai que, mine de rien, j'ai remarqué une chose, c'est que pour parler d'une image, on a quoi? Une quinzaine de termes, pas plus, c'est pas énorme. Donc, et aussi, j'ai donc travaillé beaucoup avec des metteurs en scène qui, finalement, avaient très, très peu d'éducation visuelle. Donc, c'est vrai que j'aurais par moment aimé qu'il y ait quelqu'un qui prenne en charge un petit peu avec un directeur artistique, ça. Mais vu les budgets en France, c'est un poste qui existe quasiment jamais. Peut-être Jean-Pierre Jeunet en âge. Mmh. Oui, avec Jean-Pierre et Caro. Caro et Jeunet, à l'époque, quand ils ont fait tous les films qui les ont fait grimper, il y avait effectivement Caro qui était directeur artistique. Mais en France, c'est excessivement rare. J'ai même fait des films historiques. Je fais un film qui s'appelle Monsieur N sur Napoléon. Non, on s'est basé sur des tableaux, sur
sur des, comment dire, oui, sur essentiellement des tableaux, mais il n'y avait pas de directeur artistique. C'est souvent nous qui le faisons. Mmh. Voilà. C'est une question de temps. Je pourrais le faire, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Après, j'ai vu, bon, il y a d'autres films entre La Haine et celui que, dont on va parler, mais un truc intéressant, vous avez tourné avec un metteur en scène qui est Jean-François Stévenin, qui est particulier quand même dans le paysage du cinéma. Je ne sais pas s'ils connaissent Jean-François Stévenin. Et alors, ça s'est passé comment avec Stévenin? C'est un bonheur. C'est particulier. Je ne sais même pas si vous ne connaissez pas Jean-François Stévenin. C'est un comédien qui a... Oui, mais bon, ouais, voilà, OK. oui, bon, c'est un comédien, c'est un mec absolument incroyable. J'ai fait un film d'une liberté dingue. Mais enfin, si vous ne l'avez pas vu, c'est un peu... Enfin, oui, c'est un film qui s'appelle Michelin, que j'adore, qui est... c'est une expérience extraordinaire. Et d'ailleurs, je suis arrivé sur ce film 15 jours avant le début du tournage. Pourquoi? Parce que... oui, c'est ça, voilà. Parce que l'opérateur a eu un problème familial, donc il cherchait quelqu'un, donc je suis arrivé vraiment 15 jours avant. Et le mec, Stévenin, c'est ce monsieur. Non, il est où? Il est là. Et c'est un comédien extraordinaire. Il a fait des films hyper... Ceux qui font du son, il faudrait voir ces deux premiers films. Ils sont extraordinaires. C'est Double Messieurs et Passe-Montagne. C'est des films dont le son était incroyablement... C'est très étonnant. C'est un type qui utilise le son d'une façon très originale, Stévenin. Voilà. Et c'était aussi un très, très bon, comédien. Et je pense qu'il a été l'assistant, en fait, de Truffaut. Oui, Truffaut, oui. Voilà. On le voit dans La Nuit Américaine. Enfin, voilà, ils ne connaissent pas, c'est une expérience extraordinaire. Si, La Nuit Américaine, il y en a qui l'ont vu. Non, je parle de Michelin. Oui, tout. Mais voilà. C'est un film... Enfin, c'est parmi des expériences extraordinaires. C'est très écrit comme film? Il écrit un scénario? Enfin, oui, c'est très, très écrit. Mais après, c'est, sur le moment, c'est beaucoup plus... Non, en fait, non, c'est très écrit. C'est une gueule comme ça d'improvisation, ouais. Mais bon, le scénario était très écrit. Il met des années à écrire. Il fait un film tous les 5-10 ans, donc il écrit, il prend son temps à écrire. C'est marrant parce qu'après, vous avez fait aussi complètement autre chose. On parlait du film historique, donc c'est Monsieur N sur Napoléon. Ouais. Et donc, vous avez été faire les musées. Vous étiez au Louvre, hein, vous avez fait les musées de peinture. Oui, enfin, je n'ai pas été simplement spécialement pour ce film-là, j'avais été un petit peu avant. Ouais. Mais je pense que, enfin là, ça c'est clair, que l'influence artistique pour Monsieur N, donc c'est un film, c'est vachement bien d'ailleurs, hein, c'est un polar historique, qui pourrait être une histoire vraie sur Napoléon et à Sainte-Hélène. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, parce que c'est pas mal du tout. Et en fait, les références, c'est Antoine de Caunes qui a réalisé ce film-là. Et c'est vrai que les références visuelles, c'était quand même essentiellement des tableaux. C'est essentiellement des tableaux. David, des etc., gros, oui, tout enfin, ça. Ouais. Enfin, je ne sais pas combien de tableaux, enfin, combien de bouquins on a vu, mais voilà. Pas quelque chose. Yes. C'est je me souviens, je peux vous dire ça quand même, ça peut vous aider, pas vous aider, mais vous soulager. Donc on a tourné essentiellement le film en Afrique du Sud, pour recréer Sainte-Hélène, parce qu'il y avait des endroits en Afrique du Sud qui ressemblent beaucoup à ça. Et en fait, c'est pour vraiment vous rassurer. Je me souviens très bien, en partant, même pas en repérage, sur le tournage, je ne savais même pas vraiment encore exactement ce que j'allais faire comme lumière. Je m'étais dit, hier, je me suis dit ça, je lui ai dit, il faut que je leur dise ça, parce que peut-être certains seront comme moi. Des fois, je commence assez souvent, enfin, quelques jours avant un tournage, je ne sais même pas encore. Enfin, je n'ai pas une idée complètement précise de ce que je vais faire. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est quand même une sensation que j'ai, mais... C'est une chose qui vient parfois vraiment au dernier moment. Et je me souviens d'ailleurs, en ce qui concerne Monsieur N, je me souviens très bien, c'est De Caunes dans l'avion. À un moment donné, on avait parlé du film, et à un moment donné, il me sort une publicité. En plus, c'était une publicité. C'est rien à voir, un truc de... C'est une publicité. Je ne sais plus pourquoi. Je sais que c'était un baril de fuel sous la pluie dans de la boue. Et il m'a montré cette photo-là. Ce n'était même pas un dessin. Ce n'était pas un tableau. C'était une photo. Et je me dis... Et ça m'a déclenché quelque chose. Ok, je savais dans quelle ligne j'allais quand même, mais dans les détails finaux, ça s'est passé donc dans l'avion, quelques jours avant le début du tournage. Donc, paniquez pas forcément si les idées mettent du temps à venir. C'est important pour vous la peinture, vous aimez ça? Enfin, c'est une source d'inspiration parce que c'est bien joli de faire des images pour les autres et puis d'inventer des choses, mais il faut bien puiser ça quelque part alors aussi. Alors soyons clairs, je vais casser peut-être un peu des tabous. Alors j'adore aller au musée. Mmh. Mais ça n'a rien avec le cinéma. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans une ville, quand j'ai le temps, à l'étranger ou ça, j'adore être tout seul, regarder des tableaux. Soyons clairs, en revanche, à la limite, pour un film historique, pourquoi pas? Je pense pourquoi pas, parce que ce sont les mêmes maquillages, les mêmes habits.
Mais ce serait faux de dire que les tableaux m'ont inspiré. Mmh. Souvent, je regarde les tableaux en disant, tiens, comment un visage, comment il fait, comment les peintres font arriver une lumière sur un visage. Mais je peux pas. À la limite, la peinture m'influence sur comment éclairer un visage. Mais après, le reste, c'est un tableau, c'est tellement une situation particulière que finalement, le répéter sur. Enfin, je ne crois même pas à la répétition de quelque chose. Non, bien sûr. Je crois que c'est surtout un peu de direction de lumière et vraiment les visages, pour résumer. Voilà. Et l'inspiration, alors, ça vient. Comment elle comme vient ça? Ben voilà, regarde, je t'ai dit, ça peut être une photo. Ça peut être. Alors, je pense que les inspirations les plus fortes. C'est évident, c'est soit de la photo ou photographie, mais soyons clairs, c'est quand même à 80%, c'est d'autres films. C'est-à-dire souvent, les metteurs en scène, même souvent, je leur demande, soit des gens, comme je lui dis, comme Mathieu ou comme Ben Chetri, ils savent très bien ce qu'ils veulent. J'ai fait un film avec Ben Chetri qui s'appelle Asphalt. Il est venu, il m'a montré une seule photo d'un photographe allemand. J'ai dit, OK, je sais ce que tu veux. Et ça a été ça, on n'a même pas discuté, mais on se connaît depuis 20 ans. Voilà, Mathieu, pas non plus, pareil. Mais c'est vrai que souvent avec des gens qui ont peut-être du mal donc à parler d'images ou qui n'ont pas forcément des idées, je pense que le plus simple, c'est pourquoi je prends je trouve que l'exemple le mieux, c'est du cinéma, c'est du film, parce qu'on fait du cinéma, je vais faire encore des images qui bougent. C'est-à-dire que l'intérêt de montrer comme exemple du cinéma, c'est qu'on parle de plein de choses en même temps. Tiens, est-ce que ça, c'est ce flou-là que tu vois, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ce mouvement t'intéresserait à un moment donné? Est-ce que tu aimes cette façon de porter une caméra? C'est vrai que, comme on fait du cinéma, de comparer à d'autres films, c'est plus facile dans la communication. Mmh. En fait, je crois que c'est ça. Je parle beaucoup de cinéma parce que c'est plus facile en communication. Parce que moi, ce que j'aime énormément, je ne sais pas si vous avez vu... une des plus grandes joies que j'ai, c'est que je fais des films excessivement différents. J'adore passer des ch'tis à La Haine, ensuite à Frère... je ne sais pas, Le Clair Confidentiel, enfin bon, voilà, ou Police, voilà. C'est vrai que... Et finalement... Ah, ça m'arrive, je suis parti, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et finalement, vous faites beaucoup de choses différentes. Oui, des trucs différents, mais pourquoi je disais ça, hein? Ah ben, c'est parce que vous alliez dire quelque chose d'intéressant. J'allais dire quelque chose d'intéressant. Et ça va venir. Et donc là, c'est filmé, là. Donc là, je passe pour un filmé. Million. Non, pas du tout. Non. On parlait de quoi? Mais on parlait de la peinture au début et des influences. Oui, des influences. Et finalement, c'est les films, l'influence. Oui, pardon, je reviens. Voilà. Non, je sais, donc j'ai fait beaucoup de premiers films. J'aime bien faire des. Même avec des gens qui n'ont jamais rien fait. Et ce qui me plaît vachement. Oui, c'est ça. Donc, c'est essayer de rentrer dans la tête des gens. C'est ça qui m'est. Il y a très longtemps, je me suis dit, je crois qu'opérateur, c'est d'être un caméléon. Enfin, du moins moi. C'est-à-dire que, à la limite, même il y a très longtemps, je me disais, ah, je serais vraiment content si, dans quelques temps, quand je serai un vieux bonhomme ou je serai là-haut, c'est que quand on regarde des trucs, on se dit, putain, mais on reconnaît pas du tout un film de Pierre Rime. Et c'est vrai que quand je fais des choses, je crois qu'il y a des films. Enfin. J'essaye de faire des choses qui ne se ressemblent pas du tout. Et en fait, le mieux, enfin, pour arriver à ça, je pense que le mieux, c'est ce qui me plaît le plus, ce qui m'excite, c'est essayer de comprendre ce que quelqu'un veut. Et donc, voilà, je reviens à la question. C'est pour ça que je pense que le mieux, c'est en général, c'est des références de cinéma. Parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus simple. Voilà. J'ai ramé un peu pour répondre à cette question. Mais non, c'était formidable. Justement, vous parliez de Samuel Benchetrit. On a l'impression que aussi il y a un facteur en plus du sujet, de ce que vous allez faire dedans, enfin d'un tas de choses, mais aussi un facteur humain qui est important pour vous quand vous faites un film. Enfin, il y a quelque chose qui passe par l'humain. Ah bah ça, c'est fondamental. C'est vrai que ce que va y avoir en commun tous les gens qui veulent faire du cinoche, si vous voulez faire du cinoche, ou même de la télé, ou même du reportage, et c'est ce que j'adore, c'est que c'est purement et 100%, c'est un métier d'équipe. C'est-à-dire que moi, je suis très fidèle, j'ai par exemple mes électros, mes machinaux, ça fait 20 ans que je suis avec eux, mes assistants, j'y garde jusqu'à ce qu'ils veulent eux-mêmes passer opérateur. Et c'est vraiment un métier de relations, quoi, des relations humaines. C'est génial. Et puis, quand vous avez la chance, si vous avez la chance de faire plein de films, vous verrez, c'est que vous allez rencontrer des metteurs en scène qui sont radicalement différents. Il y en a qui aiment le tournage, d'autres non, d'autres ils sont rassurés au moment du montage, d'autres non. Il y en a qui sont en forme le matin, d'autres non. Il y en a qui changent au cours de la journée. Alors, il y a les metteurs en scène, ensuite il y a la production qui met un peu de pression, d'autres non. Il y a aussi des décorateurs qui ont...
enfin, je pourrais citer pas mal de corps de métier, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut vraiment faire avec. Et ça, j'aime bien aussi, c'est arriver à, d'être aussi un caméléon, arriver à se mouler ou à s'adapter, ouais, à s'adapter aux différents comportements sur les. Parce que c'est quand même faut savoir une chose, c'est que moi j'ai la chance de faire 2-3 films par an, les metteurs en scène, même s'ils en font un tous les 4 ans, c'est vachement bien. C'est-à-dire que c'est vrai que faut être honnête, faut le savoir, faut le comprendre, c'est que un film pour un metteur en scène est très 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 important. Par exemple, je viens de finir un film encore avec Samuel Benchetri, que je vous engage à voir, qui va sortir dans, je sais pas, 7-8 mois, qui s'appelle Cette musique ne joue pour personne. C'est un petit chef-d'œuvre, ce film, j'espère qu'il va aller à Cannes. Enfin, bref, voilà. Mais, une fois de plus, on parlait de quoi ? Benchetri, oui, des rapports humains, oui, oui. De l'importance oui, de. Oui, Samuel, je connais depuis des années. C'est vrai qu'il faut arriver, voilà, faut arriver à être un caméléon, à la fois esthétiquement, mais à la fois avec les gens, quoi. C'est fondamental. Ça, c'est un truc très, très important que vous devez avoir. C'est une caractéristique, à mon avis, pour être opérateur ou peut-être chef d'éco, enfin, du moins, chef d'équipe. C'est fondamental d'arriver à absorber un petit peu les angoisses des gens. C'est très, très, très important. Je pense que ça fait réellement partie de notre métier. Je pense que la position de directeur photo, c'est évidemment faire en priorité, faire de la photo, faire de la lumière. Mais c'est après, je pense, hein, peut-être d'autres opérateurs me diront, mais c'est complètement dingue, mais je pense que c'est aussi d'arrondir un peu d'arranger les choses. C'est-à-dire qu'on est dans un poste un peu élevé, j'ai une vision un peu globale de pas mal de choses et je comprends qu'il peut y avoir des angoisses et je crois que c'est mon rôle, entre guillemets, d'arriver à calmer un peu les choses par moment. C'est pas toujours... Ça se passe souvent très très bien d'ailleurs, hein, soyons clairs. C'est quoi les qualités que vous attendez de vos collaborateurs dans votre équipe, hein? Si quelqu'un ici veut un jour être travailler avec vous, qu'est-ce qui va compter en fait? C'est marrant parce que ça, ah oui. J'ai du mal à répondre à ça. Ah oui. Non, j'essaie de voir quels sont le point commun de toute mon équipe. Enfin, je veux dire, bon, évidemment, c'est connaître vachement bien le mais. Enfin, j'ai tout de suite une réponse quand tu m'as posé la question. Je vais la dire finalement. Ouais. C'est d'avoir un sens artistique, même si c'est électro ou machino. Franchement, moi, ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai des gens autour de moi. C'est que et ça, pour le coup, j'adore ça. C'est pas tout le temps, mais c'est que des fois, il y a des idées qui viennent de mon assistant, qui me dit un truc, qui peut être au niveau de la lumière, ou même au niveau du jeu, au niveau de. Donc voilà, je crois que te répondre, c'est ça. Évidemment, c'est des compétences techniques. Par exemple, le premier assistant, c'est un métier génial parce que. Maintenant, les capteurs sont de plus en plus grands, le point est de plus en plus dur. Donc, évidemment, mon électro, il faut qu'ils savent très rapidement accrocher des contres, rapidement faire des plans, etc. Ça, c'est presque une évidence. Mais je pense que à la limite, pour vraiment... Ça, comme ça, c'est une évidence. Le truc en plus que je demande, c'est vraiment d'avoir effectivement un peu un sens artistique. Ouais. Parce que là, je suis vraiment très, très ouvert. Parce que des fois, après une journée de travail, on est un peu naze... Il peut y avoir des idées qui viennent. Alors évidemment, ce n'est pas des idées globales sur le film. Ça, c'est moi qui l'ai, c'est la préparation. Puis là, pour le coup, ils savent très bien que ça ne sert à rien de... Là-dessus, ils me font confiance. C'est quand même moi qui dirige la photo. Parce que j'ai un passé avec le metteur en scène, j'ai travaillé plus longtemps. Mais après, concrètement, sur le plateau, il y a plein de remarques qui me font mes copains. Enfin, oui, je dis mes copains, c'est un lapsus révélateur, mais on va dire mes collaborateurs. Voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est de ne pas du tout hésiter à dire au bon moment, évidemment, mais à me dire des choses artistiquement. Voilà. En 40 ans de carrière, à peu près, ça a beaucoup changé, la production d'un film? Il y a beaucoup de choses qui ont évolué? Bizarrement, non. On me pose souvent cette question, non. La seule chose qui a changé, mais c'est presque un détail, ça ne va peut-être pas vous paraître pour vous, c'est que maintenant, il faut tourner beaucoup plus vite qu'avant, ça c'est clair. Mais, vu la légèreté maintenant des caméras, la légèreté physique des projecteurs, soyons honnêtes... Je pense que ce qu'on faisait avant, quand on était en pellicule en 9, en 10 semaines, on peut faire la même chose, ce qui serait presque même mieux en 6 semaines et demie. Enfin, globalement, c'est difficile de dire, mais je pense que la légèreté du matériel a été un petit peu favorable pour tourner un peu plus vite. Mais à part ça, parce que ça, c'est simplement qu'une réponse technique, globalement, le reste est le même. Il y a les mêmes angoisses chez les gens, existent. Les mêmes questionnements sur les scénarios, les comédiens sont maintenant évoluent, mais c'est que ça. Donc je te réponds, la réponse est non. Je trouve que finalement ça n'a pas changé vraiment, ça n'a pas beaucoup changé à part qu'il faut aller, très vite. Vous travaillez un peu avec les comédiens, vous discutez avec eux, ça se passe comment? Vous aimez bien ça? Alors
Personnellement, alors c'est très bizarre. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'époque où j'ai rencontré Mathieu. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Moi, j'ai fait Louis Lumière. En deuxième année, j'ai réalisé un film. Donc, j'ai quasiment pas éclairé. Je suis sorti de Louis Lumière en me disant que, objectivement, je ne savais pas éclairer. Donc, j'ai fait donc beaucoup de courts-métrages. J'ai choisi le biais de faire des courts-métrages, pas d'être assistant. Et j'ai vraiment appris mon métier comme ça. Ça, c'est une chose. Décidément, on parlait de quoi ? On parlait de l'évolution des techniques. Et après, on avait attaqué sur... je ne sais plus. C'est moi qui perds ce coup-là. Quelqu'un peut me dire ce que je demandais ? Ah oui, les acteurs. Oui, les acteurs, le travail avec les acteurs, pardon. Est-ce que vous aimez ça ? Ah bah, c'est fondamental. Enfin, c'est-à-dire que... Oui, voilà. Ça y est, excusez-moi. Donc, non, c'est important. Donc, moi, pendant des années, je n'ai pas cadré, pour le savoir. C'est-à-dire, pendant peut-être 15 ans, j'ai fait que de la lumière. Je trouvais la lumière trop compliquée. Et donc, d'ailleurs, c'est le caméraman que j'ai rencontré sur Mathieu qui m'a suivi pendant pas mal d'années. Donc, pendant des années, je n'ai pas cadré. Je reviens au comédien maintenant. Et à un moment donné, après Monsieur N, après ce film que j'ai fait sur Napoléon, c'est très marrant. Je commençais à vraiment... J'avais donc acquis mon équipe avait vraiment beaucoup de talent. Et j'ai voulu avoir peur comme au début de ma carrière. Vraiment, au début, pendant des années, j'avais vraiment peur quand je commençais un film, surtout en pellicule. Vraiment, je flippais. Et j'avais envie de réavoir un peu peur. Et je me suis dit, mince, mais... Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai une idée, je me dis, bah, tiens, je vais cadrer. Et je me suis mis à cadrer à ce moment-là, donc c'est il y a à peu près une quinzaine d'années, je commence à faire les deux. Et donc là, je réponds à ta question. Je crois que maintenant, je ne pourrais plus faire un film. Enfin, si vous me posiez la question, est-ce que tu préfères cadrer ou éclairer ? C'est minimum 50-50, et je crois que je préfère presque plus cadrer maintenant. J'ai un bonheur inouï. Et pourquoi ? C'est le rapport que j'ai avec les comédiens. Et là, pour le coup, c'est très différent. C'est vrai que j'avais entendu quand j'étais gamin, on disait, ouais, c'est vrai que le premier œil, c'est le caméraman. Et en fait, je pensais que c'était une posture. En fait, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que souvent, quand vous cadrez, la première personne qui est... Quand la prise est finie, parce que souvent les metteurs en scène, les assistants, les scripts sont derrière les combos, la première personne qui est dans l'axe du comédien, c'est le caméraman, c'est même pas le directeur photo. Alors quand vous cadrez, c'est exceptionnel, vraiment. Je veux dire que, et donc j'ai des rapports. En général, ça, j'ai des très 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 bons rapports avec les comédiens, parce que souvent il m'est arrivé de dire oui à des scénarios un peu moyens pour deux raisons: d'être avec mon équipe, gagner ma vie, deuxième raison, et troisième raison. Parce que de toute façon, même si le film est moyen, si vous avez devant votre caméra un comédien qui est génial, c'est un bonheur. Moi, je trouve que c'est un bonheur exceptionnel. Donc, une des grandes raisons pourquoi j'aime ce métier, c'est évidemment, c'est pour les comédiens. Moi, je suis fasciné de voir travailler, vraiment fasciné. Et notamment un film, par exemple, génial qui s'appelle Le Caire Confidentiel, qui est un film essentiellement bizarrement à la main. Enfin, quand je dis bizarrement, ça ne se voit pas. Mais là, quand on est à la main, Et on est encore plus proche d'un comédien, c'est-à-dire que, même surtout quand on est en improvisation, c'est-à-dire qu'il faut regarder, il faut avoir les deux yeux ouverts, voir comment sont placés un peu les jambes, est-ce qu'il va aller à gauche, à droite, tout ça, il y a un rapport avec le comédien qui est exceptionnel. Et je crois qu'il y a, d'ailleurs, il y a quatre postes ou cinq postes que j'ai remarqué sur un film qui est vraiment génial, qui sont vraiment proches des comédiens. C'est quoi ? C'est caméraman, machino, qui pousse des travelling au cas où, Perchman, fondamental, et le pointeur. C'est quatre personnes qui doivent être absolument, mais fondamentalement, très très proches du comédien, enfin je vais dire très proches physiquement, mais très à l'écoute, très en regard, incroyablement concentré, pour que pour avoir un plan qui fonctionne bien, il faut que ces quatre personnes-là marchent, enfin ils travaillent en même temps, sinon ça ne marche pas. Mmh. Moi j'adore ça, j'aime bien ce... Souvent c'est vrai que quand je pars pour faire un plan séquence à la main qui va durer 2, 3, 4, 5 minutes, je me concentre, je me rends compte, hein, pendant la dernière minute, je suis très très concentré, très concentré, c'est-à-dire que j'ai dans mon truc, je suis vraiment comme un comédien. C'est excellent, enfin, vous voyez, je parle presque avec plus d'amour du cadre maintenant, parce que c'est vraiment dû au comédien, c'est vraiment... la lumière, je pense, c'est très intello, il y a un côté quand même vraiment intellectuel, réfléchir, et caméraman, c'est incroyablement instinctif. Il y avait ce côté-là un peu dans Police, non ? J'imagine de... Alors Police, oui. Oui, Police, avec, oui. Parce qu'il y a du monde, là. Oui, il y a du monde, oui. C'est un sacré truc. Alors Police, pour le savoir, moi j'avais fait deux films avec Mai Wen, j'avais fait un film qui s'appelait Le Ballet des Actrices, après j'ai fait Police. Police, pour savoir, donc c'est... Alors il y a un scénario d'écrit, évidemment, il y avait certaines scènes... Attendez, je vais boire un peu, pardon. Il y avait certaines scènes où Mai Wen avait écrit des dialogues, etc. D'autres scènes qui étaient simplement...
quelques phrases. Mais c'est clair que police, en général, quand on disait moteur pour un plan, ça durait, mais vraiment minimum, c'était 20 minutes. Donc c'est un film qui s'est, je crois qu'elle avait 700 heures de rush. Voilà. Donc c'est un film qui a été tourné avec trois caméras, ce qui implique une mère un peu plus particulière, c'est clair, pour être à corps avec trois caméras en même temps. Mais là, c'est vraiment alors, un vrai, vrai bonheur de caméra. Parce qu'effectivement, là, c'est 100% de l'improvisation. Il y a des moments, c'est pas si le comédien à la gauche, à droite. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en même temps, il y a une caméra qui est en face, il faut faire attention pour les raccords. C'est un travail extraordinaire de cadre. C'est moins un travail. On va dire que c'est très marrant, d'ailleurs. Je me suis un petit peu pris la tête avec Mayuen parce que j'ai été nommé pour police en lumière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on va y poser la question. Et parlez-moi de la lumière de police. Et je me suis dit, c'est assez étrange. Moi, je pense que c'est plus un film de caméra que plus un film de lumière. C'est vrai que mon rôle dans police, c'était de faire une lumière qui soit le plus, je vais dire, non, même sans fausse modestie, le plus passe-partout possible. Il ne faut surtout pas qu'on sorte du film en se disant, waouh, la lumière est superbe, ça aurait été l'horrible. Par contre, le cadre, oui. Par contre, par exemple, Le Clair Confidentiel, j'en parle beaucoup, parce que c'est un film que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que j'aime vraiment beaucoup. Là, c'est un mélange des deux. Il y a un vrai la lumière elle-même, la construction de la lumière fait vraiment partie de, comment dire, de la force du film, c'est vrai. Tandis que Police, la force du film, c'est évidemment les comédiens, le sujet, le cadre, mais c'est pas la lumière. Voilà. Non, c'est clair. Et je sais que ça n'a pas vraiment plu à Mayuen. C'est pour ça que je bosse plus avec elle. Quand on voit le film homonyme de Pialat qui s'appelle Police, qui est aussi tourné un petit peu dans le commissariat, etc., on s'aperçoit bien que ces lumières-là, puis si on était chez les flics, on voit bien que la lumière n'est pas spécialement travaillée. Mais si vous regardez quand même Police de Pialat, ça serait intéressant de comparer les deux. D'ailleurs, ça, j'ai jamais fait ça. C'est intéressant que je revoie avec une masterclass de voir les deux. Parce que Police, mine de rien, Police de Pialat, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film merveilleux. Pour le coup, il était tourné en pellicule. Donc, pellicule, ça voulait dire des projecteurs plus gros, donc plusieurs zones. C'est-à-dire que je pense que c'est effectivement, Police, quoi qu'il arrive, fait quelque chose de un résultat beaucoup plus réaliste que le Police de Pialat, voilà, à cause de la technique. C'était quoi votre grâce à la technique. Pardon. C'était quoi le premier film que vous avez fait en numérique? C'est un film qui s'appelait mince, sur les gros. Sur quelle année? Il y a 10 ans de ça. Oh, c'est pas possible. Après Monsieur N. Oui. Vivre me tue, Samouraï, ces jours heureux, à la folie pas du tout, Mishka. Ah non, ça je recule, non, excusez-moi, non, je suis dans l'autre sens. Avance. Je remonte là, alors je vais descendre. Mince. Une vie à t'attendre. C'est un film de Charles de Turquenne, une comédie. Avant qu'il trouve le titre. Ce qui est très marrant, c'est. Camping à la ferme. Non, c'est après. Non, c'est un film qui devait se faire en pellicule. Et 3 semaines avant le début du tournage, il y a eu, je crois qu'il y a un financier qui s'est un peu retiré. Il a fallu gagner de l'argent. Et la prod m'a dit, dis donc, est-ce que tu ne veux pas tourner finalement en numérique? J'avais jamais tourné en numérique. Et ce que j'ai fait, c'est pour... Enfin, non, vous avez pu être rassuré parce que vous allez forcément tourner en numérique. Donc, en fait, j'ai rien changé, ni sur la composition de l'équipe, ni mes quantités de projecteurs. La seule chose que j'ai changée, c'est l'arrière de ma caméra. J'ai gardé même les mêmes objectifs, les mêmes filtres. Et j'ai mis une Alexa derrière. Et je ne me sens pas belle. Non. Non, vrai. C'est en quelle année? 2006 Charles de Turquenne. J'ai pas le nom, justement. C'est le héros de la famille, je sais pas. Après Envoyé très spéciaux. Le bal des actrices, non, c'est pas ça. Après. Jaffa, la traque, rien de déclaré, police. À toute épreuve, l'homme qui chante, qu'elle bénisse la France, asphalte. Non, c'est avant. Bon. C'est avant l'asphalte. Bon, écoutez, on va retrouver. Mince alors. Là où elle doit maigrir. Les gars. C'est là où elle doit maigrir. Voilà, exactement. Oh là là, voilà. Oui, d'accord. Voilà, oui, ah oui, oui. Voilà. Oh, bah, oui. Je n'ai pas fait que. Enfin, non, mais bon, c'était. Voilà. Oui, mais pareil, c'est génial pour les comédiens. Non, mais voilà, donc, c'est vraiment, je crois, 2 semaines avant, je suis passé en numérique. Je n'avais pas de DIT, je n'avais rien. Je me suis dit, OK, j'ai quand même fait des essais. Et j'ai trouvé finalement qu'une Alexa réagissait un petit peu comme une pellicule. Et depuis d'ailleurs, je travaille à 99% qu'avec des Alexa. Je trouve des caméras merveilleuses. Merveilleuses. Il y avait, vous en avez déjà parlé un tout petit peu, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que c'est un film qui vous tient à cœur. Je crois qu'on peut encore le voir en replay sur Arte, c'est Le Caire Confidentiel. Parce qu'il y a. Visiblement, pour le tournage et pour tourner en Égypte, etc., ça n'a pas l'air d'être très, très simple, à ce que j'ai cru comprendre. Bah oui, alors je ne sais pas, il y en a qui ont vu ce film, Le Clair Confidentiel? Non, vite fait, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup, mais c'est un film que comme son nom l'indique, c'est un film qui se passe au Caire.
Donc moi, j'ai passé un mois et demi là-bas parce que, pour préparer le film, vu la densité du trafic, c'est énorme. Enfin, pour repérer, il faut un temps monstrueux. La prod a resté pendant deux mois là-bas. Et à trois jours du début du tournage, les caisses caméras arrivent de l'aéroport. Et en fait, bizarrement, elle est bloquée là-bas, les caméras. Et en fait, les flics sont finalement venus voir la production en disant, voilà, vous avez deux jours pour quitter le pays. En fait, on avait passé deux mois pour rien. On a été surveillés. Bon, bref, ce film qui se passe soi-disant au Caire, on l'a tourné à Casablanca. Si jamais vous le voyez, vraiment, je vous conseille de voir. C'est vraiment un super film. Il est pas chiant. C'est pas du tout un filmato. C'est un polar politique. C'est un polar. Vraiment hyper bien. Si jamais vous le voyez, vous verrez quelques plans. Des plans, des establishing du Caire, mais c'est un gars qui l'a fait séparément. On est parti en 48 heures. On a préparé ce film, ce qui est dingue. Comme quoi, c'est un très 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 bon film. Il a même le prix à Sundance, il a eu plein de prix. On a préparé ce film en trois semaines. C'est absolument dément. D'habitude, c'est 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines de préparation. C'est absolument énorme. On l'a préparé en trois semaines. Et d'ailleurs, c'est étonnant, avec ce même metteur en scène, j'ai tourné le dernier film que j'ai fait, un gros film américain. Pareil, il m'a appelé un mois avant. On a préparé un film de 24 millions d'euros. J'avais même pas trois semaines pour le préparer. Et le film, il est en montage, je pense qu'il est génial. Donc, je veux dire, pareil, si ça vous arrive, ne flippez pas trop, quoi. Je crois que quand vous avez à la tête un très bon metteur en scène, c'est vraiment, ça aide vachement. Et je reviens à ce que je disais vraiment au début, je pense qu'on ne fait que des très très bonnes lumières qu'avec des très bons metteurs en scène. Parce que, si vous voulez, le grand intérêt, moi, il m'est arrivé de faire des films, de commencer des films avec des gens qui écrivaient, qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient une culture visuelle énorme. Et la pire expérience que j'ai eue, c'est un mec absolument adorable. À un moment donné, je me demandais, mais qu'est-ce que tu veux comme lumière ? Même sur le plateau, il me disait souvent, je veux que ce soit beau. C'est la pire des... Enfin, la pire. C'est la plus difficile des indications, parce que qu'est-ce que ça veut dire beau ? Et une fois de plus, je vous rappelle ce que je vous disais, ce qui me plaît, moi, c'est vraiment de rentrer dans la tête de quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai des films qui sont très, très différents, parce que la plus grosse difficulté pour moi, parce que j'ai la chance de bosser pas mal, c'est de me remettre à zéro... À chaque fois, à chaque film, c'est de repartir à zéro. C'est qu'est-ce que j'ai pas fait avant. Et finalement, c'est pour ça que j'aime bien essayer d'entrer dans la tête des gens, parce que finalement, la meilleure façon de faire des choses différentes, c'est essayer d'être le plus proche possible de ce que veut quelqu'un. Ce que tu voudrais toi en lumière, c'est pas la même chose que toi, même sur le même sujet, ce que tu me dirais toi. Donc, c'est d'essayer de comprendre les choses. Et c'est pour ça que j'arrive, parce que j'ai aucune velléité d'être chef ou de prendre le pas sur quelqu'un, ça m'intéresse absolument. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, voilà, c'est de me mettre dans les habits de quelqu'un, enfin, dans la tête de quelqu'un, voilà, un caméléon. Dans le Caire, je peux me tromper, mais à des moments donnés, dans le film, on a l'impression d'être dans du Michael Mann, savoir, ça chope l'ambiance de la ville, ouais. Et on a l'impression d'y être et comprendre. Ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire on comprend effectivement que les Égyptiens n'aient pas voulu qu'on tourne là-bas parce que ça parle quand même de corruption et autres, ouais. C'est pas très formidable. Mais en même temps, même si c'est pas vraiment au Caire, on a l'impression qu'on est plongé dans Los Angeles ou dans le Caire, en vrai. Oui. Et comment est-ce qu'on éclaire ça ? Enfin, je veux dire, comment est-ce que vous... Parce que c'est pas simple, on a l'impression d'être vraiment là, quoi. Alors, tu dis que c'est pas simple, alors... Ça revient un tout petit peu à la première question que tu me posais, d'où venait ma passion, c'est de la magie. Là, ça fait partie de la magie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis à Casablanca, il y a des gens qui connaissent le Caire, qui m'ont dit « Putain, vous avez filmé le Caire vachement bien ». Et en fait, c'est pas du tout au Caire. Mais je pense que c'est la magie, c'est la suggestion. Alors c'est vrai qu'il y a le scope qui a joué vachement, c'est-à-dire qu'on a pris des objectifs qui cassaient un petit peu le côté réaliste des choses, donc il y a les filtres, il y a la grande différence, mais c'est des détails, hein, mais la grande différence entre le Caire et Casablanca, le Caire est à côté du désert, donc c'est une ville qui est très peu, comment dire, qui a beaucoup de poussière, tandis que Casablanca, près de la mer, avec du vent, il n'y a rien, c'est-à-dire que les jours de ciel bleu, c'est complètement sec. Donc la seule chose qu'on a faite, sinon je n'ai pas changé vraiment, hein. J'ai pris les mêmes projecteurs que si j'avais tourné au Caire vraiment lui-même, c'est en fait on a rajouté beaucoup beaucoup de fumée ou de poussière dans la rue ou dans les intérieurs. Mais une fois de plus, après, c'est ce que tu dis, c'est quand tu me poses la question comment j'ai fait, en fait, j'ai éclairé pareil que si j'étais au Caire ou pas. Je crois qu'après, c'est les comédiens, c'est l'histoire, et c'est une façon de se projeter dedans, quoi. Voilà, c'est vrai. C'est,
Est-ce que c'est vrai que les réponses sont souvent un peu bêtes en disant mais... Non, mais... Et c'est souvent, j'ai remarqué, on dit des... pendant qu'on fabrique un film, finalement, comment dire, il y a pas... Souvent, on se pose... Enfin, vous posez des questions après, mais pendant la fabrication, oui. Finalement, on met les bananes de cambouis. Et d'ailleurs, c'est marrant, en revenant ici, j'ai vu qu'il y avait plein de cahiers du cinéma. Je me souviens très bien, avant que je fasse Louis Lumière, et pendant Louis Lumière, j'étais abonné au cahier du cinéma. Et du jour, vraiment, enfin pas du jour au lendemain, on va dire en 6 mois, quand j'ai commencé à être sur des plateaux, à voir comment fabriquer les films, j'ai arrêté de m'abonner au cahier. Non pas que j'avais plus confiance en eux, mais c'est que fabriquer un film et ou en discuter ou en le critiquer ou l'analyser sont deux choses complètement différentes. Et j'ai arrêté finalement de m'abonner parce que je préférais mettre mes mains dans le cambouis. J'avais aucune habilité à écrire, rien du tout. Enfin, je veux dire, je suis vraiment quelqu'un, plutôt un homme d'image. Et j'ai pu voulu, c'est pas que j'ai pas confiance en eux, mais j'ai pu voulu interférer les deux choses. C'est deux choses différentes. Donc ta question, que je comprends vraiment, c'est hyper important. Soyons clairs, pendant la fabrication, en plus quand tu n'as que 3 semaines pour préparer, elle n'est pas là. Donc à limite, la qualité d'un opérateur, je pense que ce n'est pas forcément avoir des qualités intellectuelles, comme tu dis. Évidemment, c'est de comprendre des sujets, etc. Mais l'analyse d'un film est après. C'est-à-dire que souvent, des fois, on me parle de choses sur des films que j'ai faits qui sont bien, en me disant « Ah ouais, putain, ils sont forts, moi j'ai fait ça, c'est génial. » Mais évidemment, tu ne le penses pas forcément sur le plateau. Bien sûr. Mais il y a quand même les bons films, je m'excuse, les bons films ont quand même des cohérences, mine de rien, que tu vois un peu après. Un truc très différent, c'est les Ch'tis, ça s'est bien passé, j'imagine. Ça va, enfin, je sais pas, vu de l'extérieur, c'est sympa à tourner. Ah enfin. Oui, c'est un bonheur. Oui. Si tu vois un peu les making-of, c'était. Alors, que ce soit avec Kad et Dany, voilà, ils ont le sourire, c'était tous les jours, c'est un bonheur. Beaucoup de travail, enfin, on bosse beaucoup. Il faut aller vite, etc. Mais c'est vraiment... c'est dans la joie et la bonne humeur. Enfin, Dany, sans même le connaître, vous ne le connaissez pas, mais c'est évident que c'est quelqu'un de vraiment bien, quoi. Mais j'ai une chance inouïe. Hein, je suis excessivement rarement tombé sur des... J'ai jamais eu de casse-pied, d'emmerdeur ? Oui, d'imbécile. On va dire 2 fois. Pas de nom, mais... Non, une ou 2 fois. Ouais. Et puis même, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, et finalement, le film est vachement bien. Donc, ça valait la peine, alors, peut-être. Non, j'ai une chance inouïe. J'ai beaucoup de chance. Mais à la fois, j'ai de la chance. Bon, après... Pourquoi ça ? Je pense aussi que des caractéristiques que j'ai d'être à la fois caméléon, je pense que quand même aussi ce que j'aime bien, c'est aussi m'adapter à des, je vous le disais tout à l'heure, à m'adapter en fait à des comportements différents sur les plateaux. Et j'ai remarqué, là je vais commencer une série avec un gars, je ne le connais pas, et souvent les veilles de tournage, mine de rien, même avec l'expérience que j'ai... Je flippe un peu, parce que je ne sais pas comment sont les comportements des metteurs en scène. C'est vrai que c'est très différent de faire un deuxième film avec un metteur en scène qu'on connaît, ou de faire un premier. Donc j'ai toujours un peu cette appréhension-là. C'est pas facile, parce que là, pour le coup, ça peut être vraiment différent. Mais je pense, je ne sais pas, est-ce qu'on m'appelle, je ne sais pas, mais la plupart du temps, vraiment, j'ai des très, très bons rapports, parce que c'est quand même... Parce qu'une position de metteur en scène, je vous répète, metteur en scène fait un film tous les 4 ans s'il a de la chance, à part Ozon, des gens comme ça qui bossent tous les ans, mais c'est quand même des moments très importants. Moi, j'en fais plusieurs, donc mon rôle, c'est de seconder à tout niveau, à la fois trouver des bonnes lumières, mais aussi à être près de quelqu'un, quoi. Je considère que c'est mon rôle. C'est très différent de tourner sur une série télé, parce que vous avez fait la saison 3 du Bureau des légendes. Ouais. Ça se passe comment, en fait, ça ? Parce que comment dire ? Alors, ça va plus vite ? Alors voilà, je pense que la seule chose, la grande différence par rapport au long métrage, c'est qu'il faut aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'en moyenne, par exemple, ça va être le cas là, d'une série que je vais faire pour Netflix, c'est 5 minutes par jour. En moyenne, parce que des jours où il y a des... Techniquement, c'est compliqué, on fait beaucoup moins d'une minute, mais il y a des jours où on fait plus, quand c'est beaucoup de dialogue, on fait plus que 5 minutes, quoi. Mais en moyenne, c'est 5 minutes. Mais à part ça, c'est ma même équipe. Alors, la grande différence, quand même, c'est que c'est souvent 2 caméras sur des séries pour gagner du temps. On a souvent 2 caméras en même temps. En long métrage, c'est très rare. C'est très rare d'avoir 2 caméras. Donc ça, je crois que le truc majeur, c'est la présence de 2 caméras et donc aller plus vite. Mais aussi, je trouve, enfin, dans l'évolution un peu du métier, je me rends compte quand même que même en long métrage, parce que malheureusement, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter le métier, c'est génial, quoi qu'il arrive, le métier est sublime, il faut continuer. On a quand même il y a un peu moins d'argent en ce moment dans le chinoche, et donc les temps de tournage, même en film, commencent un petit peu à se réduire. Donc il faut quand même aller de plus en plus vite. En gros, je crois que si on me pose la question, quelle est la grande différence entre
il y a 15 ans et maintenant, c'est que même en long, il faut aller de plus en plus vite. Ouais, mais il n'y a pas que dans ce métier, c'est dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'en usine, enfin, ce n'est pas propre au cinéma. Je pense que la rentabilité, elle est dans tout. Je dis bien là, pour le coup, malheureusement, elle est dans toutes les professions. Quoi. C'est, on sert de plus en plus on se sert de plus en plus les gens. C'est joli, ça. On se sert. Je viens de faire un bon boulot. Avec le numérique, le travail de la post-production que vous faites aussi a beaucoup évolué, j'imagine, ça a beaucoup changé. Merci de poser cette question. Je crois que la grande différence entre le numérique et en pellicule, et c'est pour ça que je bénis maintenant le numérique, c'est l'étalonnage. Moi, je me souviens très très bien quand j'étais en film, et ça, faut imaginer, ça pour vous, c'est vraiment un travail d'imagination parce que vous n'aurez pas à vous confronter de ça. C'est que quand je montrais une copie 0, une copie 1 à des metteurs en scène, quand j'allais au laboratoire, j'avais pas. Si la pellicule, enfin le film sortait du laboratoire